Qu'est-ce que c'est? Oh, je vois, c'est là. La détection de métaux est soumise à des règles. Veillez à bien les respecter. Bonne vidéo à tous. Ah, la détection de métaux. C'est un peu comme une porte ouverte sur les trésors cachés de la nature, révélant parfois même les secrets enfouis depuis des siècles. Tandis que la nature nous dévoile son propre trésor à travers ses paysages. La détection de métaux, c'est un art qui nous permet de redécouvrir les trésors cachés sous nos pieds. L'homme, dans sa quête de progrès, a malheureusement détruit la nature qui lui offrait pourtant l'harmonie dans un havre de paix. Hey, hey, bonjour à tous, en compagnie de Simon. Autorisation par Simon ici, là c'est sympa. Champ en herbe, bien coupé, c'est pas mal. Il a fait plein de belles trouvailles, Simon, ici. Et il fait ça carré, avec des autorisations écrites, ça c'est cool les gens. Faites-en autant. Allez. Ah. Tu ressemblais à un détectoriste de mieux en mieux la dernière fois pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du relâchement, Simon. On est dans les Vosges, c'est vrai que là, je veux pas dire, mais pour moi j'ai l'impression que tu viens vraiment du fin fond d'une cité là. Non? Ah, ça va. Ah, c'est une cité. Ah oui, putain, ça change tout en fait là. Là, ça fait beau parisien. Sur la casquette. Ah, c'est la casquette à l'envers qui me fait dire ça. C'est pour ça. Pouh, regardez-moi ça, c'est un bel endroit, les amis. Pouh. Je dirais que je suis pas beau, mais regarde comme ça. Ah, c'est vrai que c'est. C'est que c'est pas ouf quand même. Ouais, les amis, du coup, c'est parti. On est parti pour 5 heures, c'est ça là, à peu près. Premier son de la journée, les amis. Des beaux trous carrés avec ta pelleteuse là. C'est pas mal, c'est pas mal. Belle mode de virée. Tiens, c'est. Non? Ça doit être tout près, non? Au-dessus, je dirais. En dessous. Ah, le pin pointeur, le pin. Ah oui, mon gaillard, les pins pointeurs. Là, je dirais que t'es en plein dessus, hélas. Boucle carrée. En fer. En fer. Du coup, en fait, j'ai même pas une sacoche ou. Ouais, t'as rien, t'es vraiment venu les mains vides. Bah, vu que j'ai oublié la sacoche, j'ai pris une pointeur. Bah. Ah ouais, c'est moche. Ça va, ça va. C'est bien rebouché. Puzzle, ouais. 77,80. Allez. En face de fourchette. Voilà. Premier son, première trouvaille, mon petit Simon. Ah, j'ai cassé. 185, il grisait un peu, mais l'indice bouge pas. Je sais pas, ça m'intrigue, vraiment ça m'intrigue. Paf. C'est un peu dedans. Moi je dirais que c'est un éclat de quelque chose que j'ai. Ça sonne pas fort du tout. Oh, j'ai fait tomber. Il est tombé le truc. Ok. Bon. Ah.
Ok, donc il poussait là, en fait. C'est ça. Voilà, un éclat de balle. C'est pas mauvais. Pas trop de son dans ce champ, c'est vraiment très peu pollué en plus, c'est vraiment agréable. Et puis surtout quand il fait chaud comme ça, c'est pas plus mal non plus. Un son à 80 fixe. C'est sorti à la mode quoi. On va chercher là-dedans. Bon, ça va par là. Et c'est une cartouche. Tiling. Un son à 81, les amis. On est encore sur une balle. Faut arriver. On va la chercher. Je cligne quand même. Normalement. Il saute la balle. Voilà. Une cartouche. Je suis sur l'endroit des cartouches là. Le premier son vraiment très intéressant. 65 fixe. Bien aigu. On va déjà regarder avec le détect, mais je crois que je vois un truc encore en dessous. Ouais, ça a l'air en limite de détection maintenant. Qu'est-ce que c'est? Oh, je vois, c'est là. Oh, c'est une petite croix. J'ai fait une belle croix. Oh, franchement, c'est chouette. Bien décoré et tout. Franchement, elle est belle. Elle est vraiment belle, les amis. Pof, pof. Ouais, c'est chouette. Un beau pendentif, quoi. Simon. Simon. Une croix religieuse. Ouais. Ça l'a un peu décoré. Stylé. Ouais, chouette hein. Ah, je peux regarder. Bien sûr. Une cartouche. 80, 81, 82. Ouais, je vais le faire, ça sonne mal. Ça sonne très très bien maintenant. Et ben voilà. Bah une monnaie, les amis. Une monnaie, puis pas n'importe quelle monnaie, une romaine quoi. Une roro. On m'appelle. Et ben c'est du Savo, mais c'est une romaine, les amis. C'est pas mal du tout. On allait revenir là, au campement, pour aller manger. Ouais, on verra bien, peut-être un nettoyage avec quelques surprises, mais j'en doute. En tout cas, c'est cool. J'ai fait une roro. Ouais. Ouais. Ouais.
pas bien. Si. Je vois pas. Oh, le vent, ça fait du bien. Oh, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est sorti. Ça sonne merdouille. Oh non, ça sonne pas mal. Tu veux le pointeur? Oh merde, il est dans mon sac. L'ancienne. Oh tiens. Ah, ça vient tout à l'heure. Je sais pas, c'est de l'or Simon, ça y est, t'as fait de l'or là. Ça brille, hey, garde ce suspense. Oh là 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 là, comme ça brille. Po 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 po. Po 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 po. Ouais. C'est bien, tu sais que je me gêne. Ouais. Pouah. Ah, il y a un peu de vent sur les hauteurs, hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, ouais. C'est carré. La vue est splendide. C'est vraiment chouette. Non, il est pas bien, il est pas beau. Normalement, c'est un tout petit morceau d'alu. Ils sont à 30 là. Quand je l'ai sorti, ça sonne comme au début. Ça sonne pas très bien. Ouais, c'est ça. Petit morceau d'aluminium comme j'avais dit. Super bien ciblé du coup. Voilà, pareil, un bon bout d'alu. Un petit bouton. Un petit bouton. Oui, rien d'exceptionnel. Oh si, quand même, ça va, c'est un bon gros bouton. Il est pas en plomb celui-là? Il sonne à combien? Attends, j'ai ma montre. 92, ok, donc. Ouais, c'est... Peut-être bien dans les oreilles, ça. On ne peut pas le louper. Bien joué. Qu'est-ce que c'est, mon Simon? Un clou. Un clou, t'es sûr que c'était ça? Repasse ton détecte. Ça, il te le discrimine normalement. Tu peux le laisser? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est celui de la poche. Repasse un coup de détecte. Voilà, ça il te le discrimine ton détecte normalement, le bout de ferraille là. Et le pointeur après il t'a induit en erreur. T'as vu pourquoi il faut toujours passer? Ah ouais, j'essaie de repasser maintenant, j'y pense. Ah ouais, ouais, carrément, il faut. Bah, surtout quand tu viens de retirer une merde. De ce style quoi. Capuchon aluminium. On a pu croire une boîte comme ça. Non? Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. UPR. C'est ça, ouais. Les trucs UPR. C'est vrai. On aurait pu croire le chat d'une bague. Je vais vous faire écouter dans quoi je détecte. Sympa, hein? Sympa. Des endroits comme ça, vous fouillez tout doucement. Vous augmentez votre activité.
Et vous balayez lentement. Ah. Ici un petit son qui ressort, plus aigu que les autres. 72, 73. On va regarder. Ah. 71, on l'entend un peu mieux. Voilà, c'est arrivé. Voilà, un morceau d'aluminium. Ah. De l'alu, Simon, de l'alu. Tu quoi? Tu paries sur quoi, là? Une cartouche. Bien joué. Tu deviens très fort, Simon. Tu deviens très fort. Ah, Simon, j'annonce trouvaille. Non ? Pas d'indice, mais... T'as pas d'indice ? Moi, j'ai un indice 51. Ça me trouve bien. Pastis. Moi, j'ai l'indice pastis. Donc, si t'as pas d'indice, ça veut dire qu'il a un minimum profond quand même, du coup. Et que là, il devait encore sonner au fond. Oh non. Oh non. Je le vois, les amis. C'est ça. Tout petit morceau d'alu. Oh là 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 là. Ça sonnait très bien, Gaëtan. Ouais, ça sonnait super bien. Tant pis. C'est le jeu. Ouais, non, bon alu. De 20. Voilà. La merdouille, la merdouille. Ouais, mais il y a encore. Voilà, il y a le reste. C'est une capsule. C'est une capsule. Et voilà le reste de la capsule. Voilà, voilà. Bien ronde. Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bonne rentrée à tous ceux qui sont encore au collège ou au lycée. J'espère à tout le monde que vos vacances se sont bien passées. Si vous êtes toujours là en commentaire, eh bien tu peux laisser pendentif. Ouais, c'est un magnifique pendentif que j'ai trouvé, franchement il est trop beau. Allez, prenez soin de vous les amis, c'était Thérapie. Bisous. We'll be right back.